Salut Fisher, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo au bord d'un petit plan d'eau dans la Somme. Donc on a déjà fait une vidéo dessus, la précédente. J'ai voulu y retourner. Donc là on est installé depuis... Il est quelle heure là? On est installé depuis à peu près 2 heures, je dirais, 2 ou 3 heures. Et pour l'instant, donc on a fait, j'ai fait un poisson. Donc un poisson qui vous sera présenté juste après. Et une touche malheureusement loupée. Donc sur ma canne tout à gauche dans les arbres. Bon, après c'est comme ça, c'est le jeu. Mais bon voilà, donc on va encore patienter. On est là jusque toute la journée. Et puis voilà. Donc on va vous faire quelques plans, des plans au drone aussi. Et puis voilà. Je vais vous présenter aussi mes montages et mes appâts que j'ai mis dessus. Et voilà. Donc on se retrouve après pour les plans de la carpe et quelques plans du poste et tout. Allez, bonne vidéo. Fisher, premier poisson de 15 kg 350, donc un beau poisson. On va s'empresser de reposer la canne dans l'arbre là-bas et puis essayer de refaire des beaux poissons. Tu as envoyé la photo? Ouais. Elle fait 16 kg 370 avec le tapis, avec le sac de conservation, mais pas mouillé, il était sec, donc pour qu'on pèse... Allez, on fait. Donc voilà les fichiers. Deuxième poisson. Cette fois-ci sur la canne du milieu. Donc je pense à un beau poisson. Le départ en direct. Oh oui, par connaissance. Voilà, voilà. On va bouger des cannes et vous la présente. Donc voilà les ficheurs. Deuxième fiche. 15 kg 10. Une belle miroir encore une fois. Donc pris sur une autre canne. Cette fois-ci dans les arbres en face. Donc on va relâcher ça puis mettre la canne. Donc voilà les ficheurs. Donc petite présentation de mes appâts. Donc comme vous le voyez, je ne suis pas à la pêche tout simplement parce que j'ai perdu de la vidéo, les rushs de la vidéo que j'avais fait à la pêche de ma présentation de mes appâts. Mais c'est pas grave, je vais vous la refaire là maintenant. Donc tout simplement sur ma première canne qui est à gauche, c'est sur la rouge. Donc on a une bouillette tropicale, donc en 16 mm de chez ASB Concept. De toute façon, je pêche qu'en ASB. Avec par-dessus une pop-up chambre. Donc voilà. Ça fait un joli bonhomme de neige que j'aime bien. Donc voilà, voilà. Après, sur ma deuxième canne au milieu, donc j'ai opté. Sur une pop-up orange mandarine, donc de chez ASB. Je pêche qu'en ASB de toute façon, en 10 mm sur un spinner rig. Donc voilà, ça représente pas mal. Et sur celle-là, j'ai fait pas mal de poissons. J'ai fait, ouais, si, bah, j'ai touché 2 poissons là-dessus. Et après, sur la dernière canne, j'ai une équilibrée de chez ASB, pareil, en 16 mm, litchi. Donc voilà, voilà. Et par-dessus, un maïs blanc. Ça, sur un dérig, et puis c'est nickel. Donc voilà, voilà. Allez, Fisher. Le montage qui m'aura permis de faire
de poisson. Donc bah, un plomb normal. Et un petit montage spinner rig avec la pop-up orange mandarine de chez ASB Concept Bait. Donc voilà, voilà. Voilà, il fait cher. Troisième poisson. Un peu plus de 15 kg, ouais, 15,80 kg. Donc voilà. On va remettre ça à l'eau, reposer les cannes et puis essayer d'en faire une dernière avant la fin de la session. Donc voilà, il fait cher. La fin de la session. Donc une session plutôt réussie. Donc où je touche 3 poissons de calibré entre 15 kg. Une de 15,70 kg, l'autre de 15,30 kg, je crois. Et l'autre de pareil 15,80 kg ou un truc comme ça. Donc voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et à liker et à partager surtout. Et sur ce, je vous laisse sur un magnifique coucher de soleil. Allez, ciao.